Très ravi de vous retrouver. Ça y est, donc la partie du débrief. Donc suite à une coupure hier, nos volontaires, donc on vous rediffuse à nouveau donc le débrief. J'avais prévu de le faire hier, et eh bien on l'a donc cet après-midi. Bienvenue à tous donc pour ce débrief. Je suis très content, ravi donc de vous le présenter. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur ce débrief et j'ai beaucoup de choses aussi à vous dire et à vous communiquer. Donc au sommaire, donc le débrief de cet event, le retour sur l'event, donc comment ça s'est passé, les requis qui sont demandés sur Batim pour participer à cet event. Donc ce sont vraiment les deux items très importants qu'on va voir. Mon avis final sur le crossband et donc l'avis final sur ce que j'ai concernant donc les events, parce que pour certains, il y en a qui négocient trop les événements et qui arrivent aux événements et où ça se plante. D'accord? Donc c'est pour ça que je tiens encore à faire ce débrief afin que tout le monde comprenne bien l'utilité du cross the pond et comprenne bien que sur les événements, il n'y a pas grand-chose à négocier. Enfin, c'est pas que c'est pas négociable, c'est que votre professionnalisme est demandé et vos capacités de pilotage et ou readback est demandé pour certains. Alors le débrief sur cet event, donc afin de débriefer donc sur cet event qui a eu lieu, c'était un event pardon, extrêmement bien organisé. Un grand merci aux contrôleurs présents et surtout de manière très sympa et bienveillante donc aux personnes qui ont été capables donc, de piloter ce de manière correcte et ce sans encombre. D'accord, donc faut dire les choses, hein. Il y en a qui ont été capables de piloter, de faire des readbacks corrects. Il n'y a pas eu de problème particulier, sauf au-dessus de Gander où c'était un peu le bazar au beau milieu de l'océan Atlantique. Les ATC étaient plus que parfaits avec une simplicité à tous les niveaux, mais quand je dis à tous les niveaux, c'est à tous les niveaux. Donc voilà. Le retour sur l'event, donc on est parti New York, souvenez-vous, on a été vers Londres, on est parti à 16h et on est arrivé vers 22 Zulu, donc 23h. Donc pour certains qui disaient oui, mais tu es arrivé hors d'heure du crossband, c'est faux, puisque faut être simple. À Amsterdam, ils étaient pleins en full trafic jusqu'à minuit et demi. Alors pour certains qui me disent que je suis arrivé hors d'heure, c'est faux. Ok? Donc j'ai trouvé cet event pardon, particulièrement simple et comme je fais donc tous les événements sur Vatsim, pour moi il n'y avait rien de nouveau. Donc depuis plus de 5 ans je participe au Cross the Pond, d'accord, donc Est comme Ouest, d'accord. Cet event regroupait comme je l'ai dit toutes les capacités de pilotage et ou clairance ATC et pilotes réunis et vus pendant cette année 2020. C'est-à-dire que quand je vous dis de faire les événements, quand je vous dis d'aller prendre des formations dans des centres dans les centres de formation civile virtuelle agréés par IVAO et par Vatim, ça fera aussi l'objet donc du point de vidéo. C'est pour vous parce que quand vous allez arriver sur les événements, voilà. Donc peu de personnes ont fait ces événements et je trouve ça un peu dommage parce que le cross the pond, ça permet de vous auto-évaluer, de vous faire évaluer donc durant cet event par des pilotes et aux contrôleurs, ce que je trouve un poil dommage. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est dommage. Pour certains qui ne font pas les événements, bah vous arrivez aux événements, vous savez pas comment ça se passe, vous arrivez au cross the pond, vous faites n'importe quoi, il y a plein d'avions, il y a plein de contrôleurs et c'est le bordel. C'est très rapidement le bazar, ok? Donc là-dessus, c'est pour ça que quand je vous dis à tous de faire les événements, c'est pas pour vous emmerder. C'est parce que c'est pas négociable et parce que vous ne pouvez pas négocier des dates des événements comme bon vous semble en fait. Ça, c'est juste pas possible. Et ça, là-dessus, je tiens à être un don plus clair. Les événements qui sont rediffusés sur la chaîne, bien sûr, c'est en prévision des futurs événements qu'il y a sur le réseau Vatim et qui sont prévus. Et je trouve ça juste dommage, en fait, que certains négocient là-dessus et ne fassent pas les événements. C'est-à-dire que les événements, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, les événements, je suis capable de les faire. Moi, les événements sur le Cross the Pond et l'événement qui sera au mois de décembre, ça sera pas à négocier. Et je le sais. Je le sais que ça sera pas à négocier. Mais c'est comme ça. Il y en a qui veulent négocier les événements, qui arrivent aux événements, c'est manche au ventre et ils n'y arrivent pas. Ça se passe pas comme ça, les événements. Donc, pour ceux qui ne sont pas capables de piloter, encore une nouvelle fois, ça s'appelle du pilotage, compréhension des événements, appréhension des événements. Là-dessus, moi, je vais vous donner quelques clés qui pourront vous aider pour certains. Alors, les prérequis, comme je l'ai dit, les requis demandés durant donc, cet event, et pour tous les events qui ont lieu sur la Zova Team, d'où le fait que depuis le début, je martèle pour certaines personnes à apprendre à piloter sérieusement. Donc, quand je dis ça, c'est par rapport au centre de formation civil, virtuel, aérien, donc qui sont agréés par Batim et par IVAO, d'accord?
Si il y a des centres de formation, parce que je réponds aux questions qui m'ont été posées hier. Les centres de formation civils, virtuels, aériens, qui ne sont pas agréés par VATSIM et par IVAO, ce sont des imposteurs, ce sont des gens qui vous volent vos données, d'accord? Donc là, je parle uniquement des centres de formation civils, virtuels, aériens, non agréés VATSIM et IVAO, d'accord? Donc ne rentrez pas vos données, d'accord? Je pense que vous avez vu la vidéo que j'ai faite concernant la sécurité web là-dessus. C'est pas pour vous faire chier, c'est surtout pour vous aider et vous mettre un peu en garde. Si certains centres de formation civils virtuels aériens se prétendent PRO avec VATSIM et IVAO, vérifiez bien leur site internet et allez demander à des staffs de ces réseaux d'aviation pour être sûr et certain que ce centre de formation civile virtuelle ou ces centres de formation civile virtuelle ont bien les agréments. Si ce n'est pas le cas, ne donnez aucune donnée qui vous concerne, que ce soit votre adresse mail, votre nom, votre prénom, etc., etc. D'accord? Donc voilà, ça c'est très important. Par contre, ceux qui sont et qui font partie du PRO VATSIM IVAO, vous pouvez. D'accord? Donc il y en a pour beaucoup qui se prétendent instructeurs dans des centres de formation civile virtuelle aérien et qui ne sont pas agréés VATSIM IVAO. Tout ça c'est du bullshit, c'est de la merde. D'accord? Il faut être simple, il faut être très clair. C'est de la merde, c'est de la merde, ça vaut rien. Voilà, c'est. Il y en a qui se prétendent, mais quand vous regardez les données des personnes, eh ben, il y en a pour certains qui ne savent pas du tout piloter et qui vous inculquent de la merde. Alors qui vous inculquent peut-être des choses qui sont correctes, qui sont bonnes, mais ils savent pas faire. Ils savent pas mettre en place, ils savent pas faire. Donc voilà, comme je dis sur les événements, c'est ce que je vous disais dans la slide numéro 2. Déjà, faites ces événements-là pour les haters, pour les personnes qui ne sont pas capables de piloter, et mettez ça en place. Si vous n'êtes pas capable de mettre ça en place, ça ne servira à rien. Ça ne servira à strictement rien. D'accord? Donc c'est pour ça que quand je vous dis d'apprendre sérieusement à piloter, c'est il y a des centres de formation civile virtuelle aérien, il y a des VA qui sont spécifiés pour vous former, pour vous aider. Donc après, voilà, VATSIM a mis en place un système où vous pouvez apprendre tout seul depuis un centre de formation que eux ont et qui appartient à VATSIM. Qui est très bien, qui est très bien inculqué. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème en particulier. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est revoir tout ce qui est clairance ATC. Donc clairance ATC, c'est la delivery, le sol, la tour, l'approche, le contrôle en route, etc., etc. Donc ça, c'est très important lors des événements. Et par ailleurs, la connaissance TAF et METAR et la connaissance terrain de votre aéroport. Quand j'ai la connaissance terrain de votre aéroport et TAF METAR, c'est-à-dire que sur Internet, vous avez des TAF et des METAR qu'il faut apprendre à lire et à décoder. D'accord? Donc voilà, c'est normalement pas bien compliqué pour certains. La connaissance de votre terrain de votre aéroport. Donc quand vous allez par exemple, je prends l'exemple du cross-border, quand on l'a fait entre New York et Londres, moi New York je le connaissais déjà, mais j'ai regardé les cartes bien longtemps à l'avance, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'aller sur les sites internet, j'ai essayé de m'intéresser au départ de New York parce que j'aurais pu très bien être un newbie et puis arriver sur l'événement et ne pas savoir où rouler ni quoi faire. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est vous allez quelques semaines avant l'événement, vous travaillez les différents scénarios que vous allez rencontrer. Et voilà. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas du tout compliqué. Donc, en soi, c'est du béaba. Je veux dire, du béaba quand vous arrivez sur les événements et les aéroports de déroutement et les aéroports de destination et ou de départ, vous pouvez pas négocier là-dessus. D'accord? C'est pour ça que quand je vous dis, pour certains, apprenez à piloter. Apprenez et faites la part des choses entre les centres de formation civile virtuelle aérien qui sont comment dire qui sont agréés VATSIM IVAO et ceux qui ne le sont pas. Faites bien la part des choses et essayez un minimum de vous renseigner. Je veux dire, on a tous Internet aujourd'hui, on est en 2020, presque début d'année 2021. Donc voilà, c'est des choses quand même qui pour moi, c'est du béaba, d'accord? Donc connaissance de votre aéroport. Donc par exemple, nous on a été entre New York et Londres, souvenez-vous. New York, on a regardé les cartes. Londres, on a regardé les cartes. Il faut regarder aussi les cartes de départ. Il faut regarder aussi sur votre route votre plan de vol. Donc ça, c'est très important. Et tout ce qui est aéroport de déroutement, d'accord? Donc ça là-dessus, ce sont des choses qui ne sont pas à négocier.
Je vous conseille aussi, avant donc les événements, c'est d'y aller quelques semaines avant l'événement. Comme ça vous permettra de vous aider vous, et ça fera pas perdre de temps à la TC, et vous saurez où rouler, comment rouler. D'accord? Alors attention, il peut y avoir des changements de taxiway. D'accord? Il peut y en avoir, hein? Ça peut être possible, hein? Moi, on m'avait changé mon plan de vol ainsi que le taxiway. C'est possible. Tout est possible pendant les événements. Donc, comme je vous disais, d'y aller au moins quelques semaines avant l'événement, ça vous permettra, donc, comme je vous ai dit, une facilité avant, donc, afin d'arriver à votre aéroport de destination et ou de départ. D'accord? Donc, ça, c'est pas négociable. Et afin de répondre donc aux haters, afin de répondre donc à tout le monde, si je participe à tous ces événements, c'est justement pour être prêt face à ces événements qui sont mondiaux, qui ont lieu chaque année. C'est-à-dire que là-dessus, on ne peut pas négocier. Donc cet événement du Cross the Pond, ça réunit quand même toutes les VA mondiales et ça réunit tous les meilleurs pilotes du monde. Pas que seulement de l'Angleterre, pas que seulement de la France, pas que seulement de l'Allemagne, non, de la Terre entière. Ok? Je veux dire, on a eu plus de 30 000 connexions. C'est pas rien. Par rapport à Ivao, c'est de la pignolade. Parce que Ivao sont en train de chuter, Batim sont en train de monter. Et je montrerai un petit peu après mes prérequis avec un graphique. Alors, les requis demandés aussi pour Batim par rapport à ces events, comme je disais. Savoir piloter, c'est 90% du travail déjà fait et effectué. Les 10% restantes, c'est tout ce qui est navigation. Clairance correcte, readback correct, ainsi que préparation de votre plan de vol à l'avance. Quand je dis préparation de votre plan de vol à l'avance, c'est au minimum 24 heures à l'avance. D'accord? C'est pas 48, c'est pas 16, c'est 24 heures. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc c'est pas négociable là-dessus. Sur l'événement du Cross the Pond, tout cela est réuni. Donc, quand je vous disais savoir piloter, c'est 90% du travail déjà fait et effectué. Et les 10%, c'est navigation, clairance correcte, readback correct, préparation de votre plan de vol, lecture des cartes, lecture TAF méta. Voilà. C'est ça, les 10% restants. Sur l'événement du Cross the Pond, donc, comme je vous ai dit, tout cela, tout ce que vous avez vu pendant l'année de tous les événements, c'est réuni. En une seule et même compilation. Les 90%, c'est pas négociable. Les 10% restantes, c'est extrêmement important sur la suite de votre vol et pendant l'événement. Je sais, je suis dur, mais c'est comme ça qu'il faut l'être. Alors l'étude du fichier KML. Alors là, on va un peu s'y attarder. Sur New York, l'aéroport, il est assez grand, comme vous le voyez sur le fichier KML. Alors, il vous faut vous repérer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Clairance pilotage, c'est 90% du travail. Et repérage et écoute ce que l'on vous dit, ça fait aussi partie importante de votre boulot sur cet event. Pour moi, comme vous le voyez, donc on n'était pas très loin de la tour de contrôle, on va zoomer exprès. Donc la tour de contrôle, elle se trouve ici. Moi, j'étais en porte Alpha 6, donc j'ai repoussé. Après, j'ai roulé. D'accord? Donc, tac, j'ai pris Taxiway. Et donc de là, j'ai roulé par Alpha, donc par Golf Alpha. Traversée de piste 4 gauche, donc la 4 gauche c'est celle que vous voyez donc plus au sud, c'est cette partie-là, et la 31, la 22 pardon, c'est celle-là, d'accord? Donc on a traversé, on a continué tout droit et on s'est aligné piste 31 gauche. Alors pour certains qui me disent oui mais Mathieu tu n'as pas respecté les taxiways à New York, si, si si, mais sauf que je pense que pour certains, comme je l'ai dit, faites déjà ces événements-là et on pourra en reparler. Parce que pour certains qui ne font pas les événements, moi je vous ai présenté le Cross the Pond avant même l'événement. Je veux dire, c'est pas négociable. Il y a certaines choses qui ne sont pas négociables et qui ne peuvent pas être négociables. Ok? Donc voilà, ça c'est des choses qui sont un peu importantes. Pour moi à New York, pas de retard. Mon vol, j'ai pu le faire. Donc ce qu'on vous disait sur le site ctp.vatim.net, où on vous disait oui mais alors si vous n'avez pas de slot, vous ne pourrez pas faire le vol transatlantique, vous ne pourrez pas faire le vol tout complet, tout, enfin tout court, c'est faux. C'est faux parce que moi je l'ai fait et je peux vous donner mon avis que le vol j'ai pu le faire. Alors bien sûr, vous êtes sur une route non-event et quand même sur une route non-event, bah vous êtes contrôlé. Il n'y a pas de report position, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, j'ai même pas eu besoin, j'ai juste donné, comme je l'ai dit, donc la trax, donc sur laquelle j'étais, mon niveau de vol, l'altitude, l'avion, point barre, et ma vitesse en Mach. Est-ce que c'était compliqué? Non. Ok?
Alors, la phase du bas la plus importante et qui reste complexe, c'est les Natrax. Alors, les Natrax, j'ai eu énormément de questions. Alors, je vous invite à vous référer à ma vidéo ainsi que celle de Vatim. Alors, la vidéo de Vatim, vous allez donc sur le lien ici, en fait. Donc, je vais vous le charger. Alors, attendez, hop. Je vais vous le charger très rapidement sur Firefox afin que vous puissiez voir comment ça se passe. Parce que pour certains, vous avez posé des questions. Donc, ça tombe très très bien. Je vais vous y répondre. Donc, hop, hop, voilà. Donc, on va un peu l'étudier, d'accord? Et je vais un petit peu vous expliquer de vidéo à vidéo, d'accord? Donc, il n'y a rien de compliqué, ok? Donc, alors. Across the pond eastbound 2020, pilots flying through Gander and Shanwick Oceanic will be able to request oceanic clearance using NatTrak, the online oceanic clearance tool. In addition, once over the Atlantic, ADS-B will be used. Voilà, ATSB, Automatic Dependent System Surveillance Broadcast. Ça veut dire qu'en fait, là, les avions que vous voyez derrière en fond en comble, ce sont des avions qui envoient leur position par satellite, dit ADS-B. D'accord? À l'intérieur de vos avions, vous avez un système ACARS. Ok? Le système ACARS, ça va envoyer des informations au contrôleur. Vous n'avez même pas besoin de faire de read back position. Mais c'est uniquement à la sortie de votre Natrax que vous en ferez une. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. Ok? Traffic separation, so position reports via voice are no longer required. Using NatTrak is super easy. Visit nattrak.vatsim.net and log in with Vatsim Connect. Make sure your simulator is loaded and that you're connected to the network as a pilot. Voilà, donc il vous montre sur le site natrax.vatsim.net comment demander votre oceanic clearance. If all conditions are met, you'll now be able to request your oceanic clearance when told to do so by your domestic controller. Et donc voilà, quand vous arrivez sur l'Oceanic Clearance, donc vous avez votre routing, votre Natrax, donc Natrax November. Il fallait juste rentrer donc la Natrax donc du plan de vol, d'accord. Natrax Entry Fix, donc votre premier point de Natrax, Nat Entry ETA, ça veut dire l'estimate time, d'accord, donc à quelle heure vous l'aviez en heure Zulu, le TMI que vous trouvez sur le site Natrax, la destination par exemple nous c'était Londres, et donc après notre next position report. Voilà. Voilà, donc là on vous dit, voilà, donc il estime Jupy à 14h45. Alors 319, je sais pas à quoi ça correspond, 390 c'est son aptitude, et Mach 85, voilà, et EGLL. Donc vous voyez, donc 319 je pense que c'est sa vitesse en E, 390 c'est son aptitude, et Mach c'est sa vitesse en Mach, et enfin la destination. Vous envoyez ça, voilà, vous avez cette fenêtre, Clearance Request Received, voilà. Voilà, comme il disait, Flight Level, Speed et Route. D'accord, c'est pas bien compliqué. Voilà, donc vous voyez, flight plan révision, ça vous pouvez aussi l'avoir. Moi, ça a été mon cas. Flight plan revisions. We're looking forward to seeing you during Cross the Pond Eastbound 2020 for a successful event, and we thank you for your cooperation. Voilà, donc pour la vidéo, elle est, vous voyez, elle est terminée, donc on a pu la débriefer ensemble. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout, en soi, c'est pas compliqué. Ensuite, concernant donc mes explications concernant la vidéo des Natrax, je vous invite donc à aller revoir ma vidéo concernant les Natrax, d'accord? Donc c'est très important. Alors, les Natrax restent des zones dites ADS-B, comme vous l'avez vu. Alors, ce sont des zones où vous envoyez, en fait, votre position par satellite et dont vous ne faites que des position reports. Alors, pour certains cas, comme là, on vous l'a dit, par système ADS-B, vous ne faites pas de position report. Si on vous appelle, vous en faites une. Dans l'ordre, ça fait clairance océanique avant de rentrer. Donc, notre premier point était là, d'accord? Donc, l'entrée de Natrax, si vous regardez bien, je vais me décaler un tout petit peu. L'entrée de Natrax se fait ici. Donc au niveau donc de la boucle, d'accord, donc ça fait ça, ça, donc l'entrée est juste là, ok, et la sortie, si on regarde, est juste là, d'accord, donc c'est 3000 km au sud de l'océan Atlantique. Cet axe sur la photo montre le sens de la Natrax et montre l'endroit de l'importance, c'est-à-dire que toute la flèche que vous avez, c'est que des position reports. Alors avant de rentrer, c'est clairance océanique, et enfin position report, si on vous le demande.
Cet axe qui est tracé sur la photo, ça montre effectivement le sens de l'anatrax et donc l'endroit où va commencer le système dit ADSB. D'accord? Donc c'est un système par automatique Data Broadcast Position. D'accord? Donc ça, on vous l'a bien expliqué tout le long donc de cet event. Ok? Donc l'étude du fichier KML à Londres. Alors une fois qu'en fait on était sorti, donc à la fin de notre trax, vous êtes à nouveau contrôlé par le centre de contrôle irlandais. Là, ici, c'est Gander. Au milieu, c'est Gander-Shanwick. Et après, c'est Shanwick, puis Shannon. D'accord? Donc, on arrive à Londres. Sur Londres, vous avez pu voir et remarquer que le contrôleur nous a demandé de faire un hold sur Oscar Charlie Kilo, qui n'a duré que 1 minute. Donc, en soi, Londres se sont super bien débrouillés pour fluidifier le trafic. Vous voyez comme quoi, je veux dire, il n'y a rien de sorcier hein, dans ce que je vous dis. Hein. À Londres, le contrôleur nous a fait faire pardon, une short final, on met 27 left. Donc une short final, ça veut dire une approche courte, piste 27 gauche. L'atterrissage montre donc sur le fichier KML que tout s'est très bien passé et ce sans encombre. D'accord? Donc l'aéroport est juste ici. D'accord? Donc si on regarde bien, on a bien atterri en 27 left. On a fait Kate, on a expedite the runway. On a roulé par Alpha, on a été chercher notre porte. Ok, donc il n'y a rien de compliqué. D'accord? Donc, mon avis final maintenant. Alors, mon avis final, c'est savoir piloter, savoir écouter et comprendre les consignes, préparer votre plan de vol 24 heures à l'avance, comprendre votre plan de vol, savoir lire et décoder votre NATRAX, c'est très simple. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, donc allez la voir. Savoir décoder votre plan de vol et le lire, écouter et comprendre la TIS. Et être professionnel et écouter ce que l'on vous dit. D'accord? Donc ça, ce sont les 7 points qui sont importants. Donc, comme je vous le disais par rapport au graphique, 10% c'est la compréhension plan de vol et écoute, c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est préparation de votre plan de vol, vérification de votre carburant, savoir lire et décoder les cartes, et lire tout ce qui est Natrax et tout ça. C'est pas compliqué. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter sur Discord ou à me faire un commentaire s'il y en a qui sont perdus. 90%, tout le reste, 90%, c'est que du pilotage. Que ça, tout le temps et en permanence. D'accord? Donc quand je vous dis, pour certains, et c'est ce que je vous disais sur la slide numéro 3, savoir piloter correctement et pas dans des centres de formation civils, virtuels, aériens qui vous forment n'importe comment. Et qui n'ont pas d'agrément, ça ne va rien vous apporter, juste créer des conflits avec les autres pilotes qui sont connectés sur le réseau et où vous allez faire n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas votre but et je pense que ce n'est pas non plus le but où vous voulez troller et où déranger. S'il y en a qui veulent troller, bah vous allez vous faire suspendre vos comptes et partout, ainsi que chez Microsoft, Vatim et Ivao. Voilà, il faut être simple, faut être clair. Si vous n'êtes pas capable de piloter, prenez des formations civiles, virtuelles, aériennes dans des centres de formation civiles, aériennes. Recommandé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc 90% du temps, c'est que du pilotage navigation. 10%, c'est préparation de votre plan de vol, écoute et consigne, d'accord, c'est ce que je vous disais. Comprendre votre plan de vol, savoir lire et décoder votre NATRAX, et donc comprendre et écouter la TIS, d'accord, parce qu'il y a des termes techniques là-dedans, et être professionnel, d'accord. Donc c'est ce que je vous disais sur New York, par exemple. Sur New York, l'aéroport est assez grand. Je pense que pour certains, quand vous allez arriver lors du Cross the Pond, vous allez vous dire comment ça marche? Bah, regardez juste mes vidéos tutoriels, regardez bien mes débriefs, et vous allez comprendre que vous allez le faire, vous allez vous dire bah, en fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Non, c'est pas compliqué si vous avez déjà une expérience prérequis. D'accord? Si vous avez 1, 2 ans, vous savez déjà comment faire, tout va bien. Si vous commencez. Ça va être un peu plus compliqué. Pour certains, il y en a qui ont commencé, ça s'est super bien passé. C'est ça qu'il faut vous dire, parce qu'il y a des gens qui volent beaucoup et parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire des readbacks corrects. Il n'y a rien de. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de sorcier en fait. Tout ce que je vous dis, ça tombe. Ça tombe. C'est-à-dire que, bah, pour certains qui me disent, oui, mais bon, machin, t'as pas respecté les taxiways, avant de raconter les plus grosses conneries, faites déjà les événements pour certains. Très important. Concernant une attrax, comme je l'ai dit,
Revoyez bien mon tutoriel, revoyez bien donc la vidéo ADSB, enfin la vidéo de Vatim qui vous explique toutes les choses. Ma vidéo concerne Atrax, donc ça c'est très important pour vous aider. Et donc enfin, donc comme je vous disais, hein, dans l'ordre, avant de rentrer dans une Atrax, c'est Clarence Océanique, Report Position, point barre. Ça ne reste que ça en permanence. Voilà. Donc, je veux dire, pour certains, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est que du pilotage, compréhension, savoir lire, être professionnel et au moins minimum, prendre des formations dans des centres de formation civile virtuelle aérien. D'accord? Voilà sur ce que j'avais à vous dire concernant mon avis final. Alors maintenant, je vais aussi répondre par rapport aux haters, c'est par rapport aux personnes qui trollent sur mon serveur. Alors, je vais m'adresser à ces personnes, parce qu'il y en a pour certains qui m'ont dit que mes vidéos étaient très bien, et je remercie ces personnes-là. Cependant, les personnes qui trollent, je vais être assez simple, nous on le voit. Nous on le voit parce qu'on est suffisamment intelligent pour voir les personnes qui trollent et ceux qui ne trollent pas. D'accord? Donc ceux qui veulent troller, bah, ça se passe pas sur mon serveur. Il y en a plein d'autres où vous pouvez troller, où vous pouvez faire des conneries, mais pas sur mon serveur. D'accord? Donc ceux qui ne sont pas capables aussi là d'être matures, de ne pas savoir piloter, de ne pas savoir utiliser Internet, prenez s'il vous plaît des formations. Je tiens à être simple et clair dans mes propos. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, tant pis pour vous. Mais tant pis pour vous, parce que moi les événements, je suis capable de le faire. Ceux qui ne sont pas capables de les faire, ça sert à rien de faire le creuse-pente. Ça a été dit. Sur le communiqué de votre team, si vous n'êtes pas capable de faire les événements et que c'est votre premier event, et que vous arrivez vent du cul dans la plaine et que vous vous balancez comme pas possible et que c'est du grand n'importe quoi, stop, arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien. D'accord? Donc je sais que j'ai les mots durs, mais encore une nouvelle fois, les centres de formation civile virtuelle aérien qui vous forment, certains ont des agréments VATSIM, écoutez-les. Certains qui n'ont pas les agréments, pardon, VATSIM ne peuvent pas vous former et vous racontent du grand n'importe quoi. Donc voilà, je réponds à toutes les questions qu'on m'a posées. Maintenant, je veux dire, les présentations comme je le fais des crossbands, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, je sais comment faire, ok? Voilà ce que j'avais à vous dire concernant donc le crossband et donc le débrief. Je vous remercie donc à tous de m'avoir suivi. Si vous avez des questions concernant le crossband, je vous invite donc à me faire donc un commentaire parce que donc cette vidéo débrief sera mise en ligne et j'espère donc que tout ça aura été bien expliqué. Et si pour certains vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon Discord pour ceux qui ne sont pas bannis. Pour ceux qui sont bannis, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas poser vos questions. Je pense que je vous inviterai à revoir toutes les vidéos que j'avais faites. Toutes les vidéos ne sont là que pour vous aider, ne sont là que pour vous montrer que bah, pour certains qui n'ont pas le niveau, il y a des tutoriels qui sont faits, qui sont là pour vous aider et qui sont là surtout pour vous apporter du plus. D'accord? Tout ce qui est Natrax et tout ça, moi j'en ai fait une vidéo tutoriel en français puisque je suis seul à en faire une. Concernant le crossband, c'est pareil. D'accord? Vous avez en version française parce qu'il y en a pour tous les pilotes. Il y en a qui sont. Enfin, toutes les vidéos majoritairement, c'est en anglais. Donc vous avez de l'anglais et du français. D'accord? Donc, revoyez bien, comme je le disais, donc l'éclairance ATC. Savoir piloter, c'est 90% du boulot. 10% restant, c'est tout le reste. Navigation, préparation de plan de vol, décodage de votre plan de vol, décodage des Natrax, préparation de votre carburant. Révision de vos aéroports de déroutement et préparation à du extreme fuel en cas d'attente. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire concernant le débrief du crossband. Pour moi, ça s'est très bien passé. Maintenant, j'ai pas booké et je peux vous dire que cet événement-là, pour certains qui n'ont pas le niveau, effectivement, vous pouvez pas aller jusqu'au bout. Après, moi, ce que je peux vous dire. S'il y en a qui étaient partis New York, vous pouviez même pas démarrer. Ça servait à rien de vous connecter parce que vous ne pouviez pas, pardon, démarrer. À Londres, c'est du même acabit, mais c'est un peu moins complexe que New York, pardon. Voilà. Maintenant, je sais que j'ai des mots durs, je m'en doute, mais c'est pour vous. C'est pas pour moi. Moi, je sais piloter, je sais aller à l'international, je sais faire les événements. Donc voilà. Donc ceux qui ont des questions maintenant concernant le crossband,
Comme je vous ai dit, posez-moi vos questions en commentaire. S'il y en a qui ont des choses à dire concernant le crossband, n'hésitez pas à me le dire. Merci aux personnes hier qui m'ont quand même fait un retour concernant certaines vidéos, qu'ils ont trouvé ça très bien. Merci à vous tous, parce que ça fait du bien d'avoir des personnes qui sont minimum intelligentes et qui sont minimum à me dire s'il y a des erreurs ou pas. Mais pour le moment, moi, j'en vois pas. Maintenant, sur les crossband, ce sont des événements qui demandent du professionnalisme. Ce sont des événements qui sont extrêmement pro. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant crossband et sur le débrief. Je sais, j'ai abordé beaucoup de points techniques, j'ai abordé beaucoup de points où, pour certaines personnes, ça ne va pas leur plaire, je me doute, mais voilà.